BMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne BMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Football toujours cette fois-ci au niveau du Daring Club Moté Mapimbi où André Alain Lande est toujours entraîneur principal de cette formation. Alors que la reprise du championnat est donc annoncée pour le dimanche 29 mai courant avec l'alléchante affiche entre les Immaculés de Kinshasa et les Anges Saints de Mbujimayi. Le club de Kinshasa est toujours orphelin de son entraîneur principal André Alain Lande qui n'a dirigé aucune séance d'entraînement depuis la reprise. Si le technicien affirme n'avoir jamais démissionné et non plus reçu une lettre de remerciement de la part des dirigeants du DSMP, le vainqueur de la Coupe du Congo 2021, dit attendre que certains termes puissent être réglés entre lui et le nouveau staff dirigeant. L'hiver est bon, André Alain Lindeux, joint par votre radio hier. En tout cas, espère être de la partie le dimanche prochain sur le banc du DSMP. Même s'il regrette le fait de n'avoir été associé au planning de la reprise des entraînements. On l'écoute au téléphone de Sylvie Meyer. C'est
vrai que je suis pas encore aux séances d'entraînement. Ben, c'est compte tenu de la situation que vit actuellement le DCMP. Mais je vous confirme que je suis l'entraîneur principal dans la mesure où il y a beaucoup de rumeurs qui courent sur différents réseaux comme quoi j'aurais démissionné. Je peux vous assurer que je n'ai jamais démissionné parce qu'une démission, ça s'est fait par une lettre écrite. Et dans le cas contraire, je n'ai pas reçu aussi une lettre de remerciement, de licenciement de la part de mon employeur qui est le DCMP. Donc tout ça, ça doit se faire par écrit. Et il faudrait aussi une indemnité de rupture parce qu'il y a le contrat qui court encore jusqu'au 30 juin 2022. Est-ce que, entre-temps, vous avez discuté avec le joueur puisque, comme vous l'avez dit, vous êtes l'entraîneur principal et aussi avec vos collaborateurs qui assument jusque-là l'intérim, si on peut dire comme ça, et qui dirige les entraînements? Pas de contact avec les joueurs parce que je ne suis pas au courant du programme. C'est ce que j'ai expliqué aujourd'hui en réunion. La planification des horaires d'entraînement, la programmation de contenu du programme d'entraînement, c'est de mon ressort. C'est à moi qu'il appartient de faire ça. Donc je ne sais pas qui a mis en place certaines choses là-bas. On est au courant de rien. Moi personnellement, en tant que principal, je suis au courant de rien. Je m'étonne également de ne pas voir la présence de Gladys Bokessé, l'ancien capitaine emblématique du DCMP dans le staff. Voilà, c'était là André Alain Lindeux. Il est donc coach du Dering Club Motema Pimbi. Avant de vous donner le programme, notez que toujours au sein de cette formation de DCMP, le comité de direction a donc décidé ou encore interdit formellement à cette personne d'engager le club. Il s'agit bien sûr de Vidier Chimanga, président démissionnaire, José Mandjikou Zambakoko, il est également secrétaire démissionnaire, Olivier Pingongo, responsable média de cette formation, Jimmy Kavassala, Monsieur Mondo, Monsieur Dani, Monsieur Lola, photographe, Madame Yuyu, Madame Véro, Monsieur Gilit et Jumbo. Ils sont donc interdits d'engager formellement l'équipe vert et blanc de Kinshasa. C'est une correspondance du 20 mai signée par le secrétaire général adjoint Omer Makoutou dans cette correspondance. En tout cas, le club dit avoir appris avec indignation le comportement anti-sportif de certaines personnes qui engagent le club sans qualité ni mandat. Et réagissant, ils portent connaissance à tous les amoureux du sport et qu'il est donc formellement interdit à toute personne d'engager des simples sans autorisation préalable du correspondant officiel. Le secrétaire général adjoint, M. Omer Makoutou Ngamouni, et conjointement avec les membres élus du comité de direction qui sont habilités à engager le club jusqu'à nouvel ordre. Voilà donc la dernière nouvelle du côté du Dering Club Motema Pimbi qui, comme je le disais, va donc jouer le dimanche prochain, sauf changement des dernières minutes en championnat pour la reprise. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 15h30 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Pendant ce temps, au stade TP Mazembe de la Kamalondo, le FC Lubumbashi Sport recevra le Racing Club de Kinshasa. Voilà, nous sommes de retour, hein, vous l'avez suivi, cette crise persistante au niveau du Dering Club Motema Pimbi. Quasiment depuis 2014, le Dering Club Motema Pimbi n'a jamais vraiment connu d'accalmie. Il y a toujours des crises à répétition et ce qui en tout cas n'arrange pas ce club. Alors vous savez, hein, le slogan de ce club cher au feu Papa Toro, cher à Papa à Jonas Moukamba, c'est bien Dering uni et fort et imbattable. Mais avant d'affronter Sa Majesté Sangabalende, on ne sent pas du tout cette unité, hein. Et même le journaliste sportif, hein, le photographe très compétent Papi Ngandou a été suspendu. C'est dire que la crise est tellement profonde, hein, dans ce club, le Dering Club Motema Pimbi, que le salut ne viendrait que des supporters. Encore faut-il que ces derniers restent unis, parce que au niveau du Dering Club Motema Pimbi, les supporters sont aussi inférieurs par leurs dirigeants et finalement ils deviennent fanatiques de tel ou tel autre dirigeant. Ils s'entre-déchirent au lieu d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire soutenir leur club, soutenir la couleur. Je pense que si les Daringmen reviennent aux fondamentaux, reviennent à leur couleur, le vert et blanc,
ajouter à cela la couleur rouge, je pense que tout pourrait revenir dans l'ordre. Les Daringmen n'aiment pas leur club. Voilà pourquoi il y a tous ces problèmes. En fait, il y a maintenant peut-être des groupes, hein, des Imaniens qui soutiennent tel ou tel autre dirigeant et qui ne regardent pas en fait l'intérêt du club. C'est ça qui est dommage, hein. Et j'espère, hein, que finalement les vrais Daringmen, ceux qui aiment leur couleur, pourront se ressaisir pour essayer de sauver ce club. Sinon, le Daring Club Monté en PMB disparaîtra comme certains autres clubs dont on n'a plus écho, hein, tels que les Mabouilou, tels que les FC Milombé, les Kalam ou les Matongé. On risque de ne plus parler de Daring Club Monté en PMB. Ça nous attriste. Ça nous attriste tellement parce que le Daring Club Monté en PMB fait partie de ces trois grands clubs de ce pays, derrière le tout-puissant Mazembe Lice V Club. Et d'ailleurs, le Daring Club Monté en PMB a un trophée continental, tout comme l'Ice V Club. Comment ce club peut continuer à sombrer ainsi? Ça nous attriste. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.